avec lequel. Ok. Après, quand tu as fini de couvrir la bande avec le kéré, on revient après ça. C'est là, hein, tout ça. On fait toute la bande. Après, tu as. Tu as sur la moitié. Donc, tu as la tissu ouvert comme ça. Hein. Tu as la moitié d'un côté. Okay. Tu couds le kéré. Après, tu remplis le kéré selon. Là, la ligne? Non, selon ta forme. Parce que là, j'ai mis 7, c'est trop grand. Hein? Okay. C'est juste le modèle. Et puis, tu as 4 et superposé. Il y a là. Il y a 2. 1, 2. 1, 2. 3. Et 4 kérés. Hein? Ce 4 kérés, c'est ça? 4 kérés. Et puis, j'ai mis. Ah, ok, en fait, tu as plié pour faire. Pour, voilà, okay. Pour que ça coule. Hein? Ok. Et donc, ça fait ça. Alors, il faut que ça gonfle. D'accord. Faut pas que ça tombe. Faut que ça tombe. Tu es toujours sur le kéré, hein? Mm-hmm. Tu cours sur le kéré. Tu coupes sur le kéré. Mm-hmm. Là, toi, là, mon aiguille va ressortir par là. Voilà, tu ressors. Tu recoupes par-dessus. En fait, tu cours. Voilà, donc parce que normalement, tu dois appuyer là, comme ça. Et puis mais du coup, on n'a pas de lumière. Voilà, j'appuie ça là comme ça, tout ça, hop, après je prends tout ça, je pique. Ok, ainsi dessus, ainsi jusqu'à dessus. Que ça soit bien plié. Hein. Voilà, okay. Que ça se cale bien, voilà, que ça se cale bien, et après là, et ce sont les autres. C'est pas vu le bout de l'aiguille. C'est juste pour que ça aille. Après, quand tu as fini, en dessous, comme tu as cousu sur le kéré. Oui. Et tu. Tu vois. Ok. Là, tu coinces. Voilà. Donc, il faut attacher à l'arrière. Voilà. D'accord. Comme ça, tu n'as. Et celle-là, elle est passée. Ok.